Les jeunes Pilouba et Founiki Menge qui ont disparu depuis la nuit du 9 juillet 2024. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas leur trace. Il n'y a pas un centimètre carré de ce territoire aujourd'hui qui n'est pas contrôlé, qui n'est pas suivi par le CNRD. Il n'y a pas de raison qu'un citoyen, qu'il soit de la carrière de Founiki Menge, ou qu'il soit un monsieur lambda, disparaisse sur les 245 000 km² de la Guinée et qu'on dise qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu durant plus d'un mois. Nous sommes désolés, mais nous devons rendre responsable le CNRD. C'est le CNRD qui a pris la responsabilité des destinées de la Guinée, oui ou non? Oui. Tout ce qui arrive à la Guinée, tout ce qui arrive aux Guinéens, qui est responsable? Nous demandons au CNRD, nous demandons au président Mamadi Doumbouya de faire en sorte que lumière soit faite très rapidement sur la situation de Bilo et de Founiki Menge. Leur situation ne peut pas être passée en perte et profit. On ne peut pas les oublier banalement comme ça. Ils sont tellement importants, tellement connus, qu'il ne peut pas, c'est pas possible qu'ils disparaissent comme ça. Ces messieurs ont mobilisé ici à Conakry plus de millions de Guinéens. La tannerie au stade, il n'y a même pas eu de gratinure. Tout le monde en rouge, tout le monde dans la rue. On chantait, on dansait. Il y a eu des discours. Il n'y a pas eu d'incident. Lorsque les manifestants sont autorisés, encadrés, il n'y a pas d'incident, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de mort. Ces messieurs sont devenus aujourd'hui une référence pour les Guinéens, une référence de courage, de loyauté pour le pays. Ils ne peuvent pas disparaître et qu'on se taise dessus. Nous demandons au président de Mamadi Doumbouya de faire en sorte que ces deux jeunes soient rapidement retrouvés et remis à la disposition de leurs différentes familles. Si cela n'est pas fait, les frustrations vont continuer. Il y a beaucoup de Guinéens qui se reconnaissent en ces jeunes, en leur courage, en leur fidélité aux idéaux de droiture. Je pense que pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt de la paix et de la quiétude sociale, le sort de ces jeunes doit être connu. Je ne peux même pas imaginer qu'ils sont plus de ce monde. Je pense, je suis sûr qu'ils sont encore vivants. Nous souhaitons vivement qu'ils soient retrouvés et mis à la disposition du peuple de Guinée. Le deuxième sujet,